C'est dans une atmosphère pleine d'émotions que la nation tout entière ainsi que les forces armées togolaises ont rendu un dernier hommage aux 8 soldats qui ont perdu la vie dans l'attaque djihadiste survenue à Pepakandi dans le Pendjal dans la nuit du 10 au 11 mai dernier. Cette cérémonie d'hommage national, présidée au camp de Niupurma par la ministre des Armées, Marguerite Sosimnanyakade, représentant le chef d'État pour l'occasion, a connu la présence de hauts dignitaires administratifs, militaires, ainsi que proches et parents des victimes. Plusieurs temps forts ont marqué l'événement. Tout d'abord, l'arrivée des dépouilles mortelles drapées aux couleurs nationales, le cérémonial de dépôt de gerbes, la minute de silence, suivie de l'éloge funèbre prononcé par le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Kolemaga Kasawa. Ce dernier, dans son mot de circonstance, en déplorant ce triste événement, n'a pas manqué de saluer la bravoure, la détermination, ainsi que le sens de sacrifice dont ont fait preuve ces désormais héros nationaux en donnant de leur vie pour défendre la patrie. Permettez-moi d'emprunter ces propos du général Cardo qui écrivait, je cite, « Ce sont les braves semés sur la route qui, en effet, ouvrent le chemin aux autres. » Fin de citation. Cette citation trouve son sens dans l'immensité du sacrifice que nos braves compagnons ont accepté accomplir. En effet, ces militaires et agents de police ont, dans la matinée du 11 mai 2022, accepté de barrer la route à l'ennemi au péril de leur vie pour, comme l'a dit le général Cardo, que le reste des Togolais puisse continuer à avancer vers nos valeurs les plus chères, qu'ils puissent ne pas vivre dans la peur. Compagnons d'armes, par cette nuit calme, vous étiez l'avant-garde du combat de la liberté contre l'idéologie fanatique religieuse, de la liberté contre la haine du prochain, donc de la civilisation contre l'apocalypse. Le terrorisme vit de la peur de la mort. Il sème la désolation, non pas comme une fin en soi, mais pour inspirer la peur et par là, la soumission des peuples. Au-delà des efforts collectifs de sécurité que notre gouvernement et notre hiérarchie ne cessent de consentir, c'est la force morale individuelle dont vous venez de faire preuve en acceptant la mort, arme à la main, qui permettra de triompher de ce fléau. C'est ce courage de rester sur place pour contrecarrer l'ennemi qui fait de vous des héros du peuple et qui nous permettra de gagner cette lutte d'influence et de ne pas céder un seul centimètre carré de notre territoire, comme nous l'a ordonné Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées. C'est donc à titre posthume que ces 8 soldats ont été décorés de la médaille de chevalier de l'ordre du Mouneau en reconnaissance à leur bon service rendu à la nation. Et comme le veut la tradition au sein des forces armées togolaises, 3 tirs de fusil, symbole de devoir, d'honneur et de patrie ont été respectés en l'honneur de ces 8 soldats. Gardez ! En vous ! Feu ! Le deuxième coup symbolise l'honneur. Gardez ! En vous ! Feu ! Le troisième coup représente la patrie. C'est donc dans une vive émotion qu'ils ont été conduits à leur dernière demeure après ces hommages nationaux. Ils sont des élus du peuple venus des pays membres de WAPAC, en français, Association des commissions de finances de l'Afrique de l'Ouest. L'organisation parlementaire sous-régionale tient à Lomé sa 8e conférence et son assemblée générale annuelle. Une rencontre internationale axée sur la contribution des assemblées nationales dans l'élaboration des politiques de relance des économies actuellement assiégées par les crises mondiales, notamment celles sanitaires. D'où le thème « Rôle des parlements dans les mécanismes de relance économique post-Covid-19 ». Nous, en tant que députés, nous contrôlons l'action du gouvernement. Donc d'abord, nous
nous essayons d'apprécier les choix de politique des gouvernements pour voir si ces choix de politique correspondent réellement aux besoins des populations. Ensuite, quand nous avons, par exemple, fini d'adopter le budget qui cristallise les stratégies mises en œuvre par le gouvernement, nous devons suivre l'exécution de ces budgets pour être sûr qu'elles se passent conformément à ce que nous avons adopté. Les représentants des institutions financières nationales et internationales, les représentants d'autres organisations sœurs ont pris part à la cérémonie d'ouverture des travaux. Elle a été présidée par le 4e vice-président de l'Assemblée nationale du Togo, représentant la présidente Yawa Jigbori Tchega. Dans son mot d'ouverture, il a rappelé les efforts du Togo dans la gestion des impacts des crises avant de relever l'importance du soutien parlementaire pour une économie forte et inclusive. Les assemblées parlementaires sont appelées à apporter leur contribution au renforcement de la stabilité des cadres macroéconomiques. La mise en œuvre réussie des plans de relance requiert le soutien indéfectible des représentations nationales comme nous l'avons fait s'agissant des plans de riposte à la COVID-19. C'est pourquoi, au regard de la qualité des compétences des experts et de la diversité des expériences des participants, je suis convaincu que vos réflexions tout au long de ces 5 jours de travaux vont déboucher sur des propositions et recommandations d'une grande utilité. Ces assises vont durer 5 jours et plusieurs activités sont au programme. Les 2 premiers jours, c'est-à-dire lundi et mardi, seront consacrés à la conférence. Ensuite, nous aurons 1 jour d'assemblée générale. Les 2 derniers jours, c'est-à-dire jeudi et vendredi, nous avons une formation destinée à nos administrateurs parlementaires, c'est-à-dire les assistants. Les attentes concrètes pour moi, il y a D'abord, redynamiser la situation. La deuxième, c'est pour moi échanger entre les députés pour voir comment sortir notre sous-région de la crise que le monde a connue, la COVID-19. Le Togo est à la tête de cette association WAPAC depuis 2015 et l'occasion sera donnée à cette rencontre de renouveler les membres du comité exécutif. Il est aussi prévu des partages d'expériences des délégations dans la gestion parlementaire de la crise sanitaire. La durée normale du sommeil pour les enfants, surtout les nouveaux-nés en général, la durée du sommeil tourne autour de 11h-12h. Pour le petit enfant, autour de 10h. Pour l'adolescent, autour de 9 heures, et pour l'adulte jeune, c'est 8 heures de sommeil. Mais pour la personne âgée, souvent 10 à 11 heures également. C'est la durée du sommeil par tranche d'âge, expliquée ici par le chef du service de neurologie du CHU, Sylvanus Olympio. Malheureusement, elles sont nombreuses ces personnes qui ne parviennent pas à respecter cette durée. Elles dorment moins par rapport à la normale. L'on parle ici de l'insomnie. L'insomnie, ce trouble du sommeil, est lié à plusieurs facteurs, résumés en 2 grands groupes. L'insomnie, c'est une diminution du sommeil, en qualité et en quantité, de manière à ce que ça perturbe le sommeil réparateur. Il y a 2 grands groupes de facteurs. Le premier groupe, ce sont des maladies d'ordre psychologique. L'anxiété, le stress, certaines maladies psychiatriques qui vont entraîner une insomnie le plus souvent. Et le deuxième groupe, c'est souvent lié à certaines maladies organiques. Notamment, vous savez que vous êtes malade, vous avez une maladie qui donne la douleur. C'est difficile pour vous d'accepter cette maladie. Ça vous stresse également.
et donc cela va amener à développer une insomnie. Et lorsque des mesures idoines ne sont pas prises, l'insomniaque s'expose à des complications. Des problèmes liés, les troubles de mémoire, surtout qui vont perturber la vie sociale, la vie relationnelle. Cela va entraîner des oublis, des troubles de la mémoire importants, l'irritabilité qui va perturber l'environnement. Mais lorsqu'on dort mal aussi, on est à risque de faire des accidents lorsqu'on conduit une moto ou bien un véhicule. Lorsqu'on ne dort pas bien, ça peut nous entraîner dans certaines maladies psychiatriques qu'on va décompenser. Avoir des difficultés à dormir n'est pas sans conséquence sur la vie de la personne. Pour prévenir cette anomalie, voici quelques conseils pratiques. Pour bien dormir, il faut éviter de se retrouver dans des situations qui entraînent le stress, l'angoisse. Il faudra éviter la consommation de boissons alcoolisées et de certaines boissons contenant des excitants comme le café. Et puis, il est également recommandé d'avoir une chambre bien positionnée, bien aérée, d'avoir une literie, et un lit bien fait avec un matelas qui est bien. Et cela nous permet d'être à l'aise lorsqu'on est couché et de bien dormir. Et surtout, éviter qu'il y ait une pollution sonore tout autour de l'endroit où nous dormons. Éviter l'automédication en cas d'insomnie ou toute autre maladie et consulter son médecin au besoin pour éviter toute surprise désagréable. C'est un constat réel et très amer. Les affections oculaires touchent de plus en plus de jeunes et de petits enfants. L'hypothèse, plus l'on grandit, plus la vision diminue suite aux efforts répétitifs de vision, n'est plus d'actualité. Les problèmes des yeux n'attendent plus le nombre d'années. Les jeunes enfants et les jeunes adolescents en sont exposés. Les consultations quotidiennes le démontrent, comme le témoigne le docteur Agba, ophtalmologiste au centre médico-social de Kakaveli. Je pratique l'ophtalmologie maintenant depuis plus de 15 ans. Et j'ai remarqué un nombre croissant de consultations concernant les enfants. Qu'ils soient tout petits, donc quelques jours même, quelques mois, voire adolescents, 14 ou 15 ans. Ça c'est vrai. J'ai vu que le nombre quand même a augmenté. Quelles sont donc les causes de cette situation ? Les spécialistes en la matière pointent du doigt l'usage abusif ou l'exposition excessive aux écrans d'ordinateur, de tablettes ou de téléphones portables. Autre cause, pas des moindres, la consultation tardive chez les petits-enfants. Très souvent, les parents viennent et disent qu'ils emmènent l'enfant, on fait le conseil et puis ils disent que « Ah, mon enfant, s'il te plaît, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, mais je ne le prenais pas au sérieux. » Les enfants sont exposés aux écrans très jeunes. Parfois, quelques mois même, il a même le portable ou la tablette. Ça explique donc l'augmentation du nombre d'affections oculaires chez les enfants. À cette ère des réseaux sociaux qui séduisent beaucoup les jeunes et en cette période de la pandémie au Covid-19 qui exige des cours en ligne et le télétravail, les problèmes oculaires connaissent une flambée. Une attention particulière est à accorder à la vision. Les spécialistes préconisent une alimentation saine et équilibrée. Principalement pour la santé des yeux, on préconise des aliments riches en vitamine C, comme le citron, les oranges, ça c'est très bon. Les laitages, donc les yaourts, les fromages, tout ça. Et surtout la carotte. La carotte, vraiment, elle est très bien. Elle est riche en vitamine A, un antioxydant qui est très bien pour la vision. Pour une bonne hygiène oculaire, une bonne alimentation. Ne pas mettre n'importe quoi dans ses yeux. Parce qu'actuellement, on met de l'aloès, on met le moringa. Non, si vous avez un problème, allez consulter un spécialiste en ophtalmologie. Ça vous évitera vraiment des dégâts qu'on ne peut pas réparer plus tard. Il faut éviter de trop rester sur son téléphone, écran. Il faut éviter ça. Il faut limiter donc l'expulsion aux écrans également. Il ne faut pas laisser l'enfant peut-être 3 heures, 4 heures comme ça. Je pense que ce n'est pas une bonne chose.
Les problèmes les plus récurrents sont entre autres l'amblyopie, la myopie, l'hypermétropie. Ces problèmes d'yeux peuvent entraîner une déficience visuelle, voire la cécité. Ainsi, le contrôle ophtalmologique régulier est important et surtout lorsque des symptômes surgissent. Il importe aussi d'intégrer les soins oculaires dans la couverture sanitaire universelle pour favoriser l'accès aux soins.